Je fixe le fil de montage jusqu'au niveau de la rampe de l'hameçon. Je reviens avec le fil de montage vers l'œillet et je m'arrête à peu près à 5 mm de celui-ci. Je positionne une petite touffe de poils de chevreuil. Alors je l'ai égalisé avant dans un égaliseur de poils. Je positionne la touffe de poils sur l'hameçon, à l'endroit où on a arrêté le fil de montage. La longueur de la touffe de poils doit être égale à la longueur de l'hameçon au départ de la rampe. Alors, pour la fixation de cette touffe de poils, on fait un tour, deux tours et puis on serre avec le fil de montage. On revient tout doucement sur la pincée qu'on a entre les doigts. Voilà. Maintenant, avec un ciseau, on va couper légèrement tout autour pour former un petit corps à l'aide du fil de montage et en emprisonnant les poils. Je mets en place le tubing sur le fil de montage. Pour commencer, le façonnage du corps et la mise en place du poil de chevreuil. Je positionne une pincée de poil de chevreuil sur l'arrière, que je vais fixer au niveau de l'arrêt du tubing. Je repositionne deux ou trois tours de tubing. Je positionne une deuxième pincée de chevreuil, toujours au niveau de l'arrêt du tubing. Une nouvelle fois, je replace encore deux ou trois tours de tubing. Je positionne ensuite les derniers poils de chevreuil qui restent.
Je positionne ensuite encore deux ou trois tours de dubbing. Maintenant, je vais positionner une touffe de poils de chevreuil que j'ai passé également dans l'égaliseur. Donc, pour fixer la touffe de poils de chevreuil, je fais un tour de fil, deux tours et je serre. Voilà. Donc après avoir fixé cette touffe de poils de chevreuil, je vais remettre du dubbing pour former la tête de la mouche. Donc là, j'égalise un peu les poils de chevreuil hein, pour mélanger un peu légèrement avec le dubbing. Je procède enfin au nœud final. La mouche est terminée. Je vous souhaite un très très bon montage. À bientôt.